J'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes abonnés et à tous les autres. J'ai reçu une petite box. Bon, je l'ai reçue depuis un moment. J'ai dû la recevoir samedi. Mais j'avais d'autres vidéos à faire. Du coup, je fais celle-ci maintenant. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la Beautiful Box. Donc, j'ai ouvert un peu comme ça. Et hop, regardez un petit peu cette beauté. Regardez un peu cette beauté comme elle est belle, toute verte. Alors pour le coup, regardez, je suis en vert. J'ai même fait un maquillage vert. Enfin, c'est ma fille qui m'a fait le maquillage vert. C'est joli, hein. Et donc celle-ci, elle s'appelle 50 nuances de vert. Donc on est dans le vert, partout. Elle est très très jolie. Moi qui adore le vert, franchement, super. Donc on va ouvrir et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez. Je suis encore un peu malade. Donc, on a le petit hop. On a les petites fiches comme d'habitude. Alors, j'en suis à ma 18e box. Et il me semble qu'à la 18e, j'ai un cadeau. On va voir ce que c'est. J'ai un petit doute, mais... Allez, c'est parti. Comme d'habitude, j'ai oublié mes lunettes. Je vais les chercher. J'arrive. Pour l'instant, non, pour l'instant, bah, vous m'attendez. Hop, comme d'habitude, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, je vais faire, avec Beautiful Box, c'est une routine. Donc, on va suivre la routine. On a des étapes, donc je vais commencer par la première étape, qui est ceci. Wouh ! C'est un soin lavant matcha de la marque Masato. Ah, je dirais que ça sent la menthe, je sais pas si c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de ce produit? La valeur 18,50€ quand même. C'est un shampoing, donc soin lavant capillaire au thé matcha. Ça fait 100 ml. Pourquoi pas, c'est un shampoing. Alors, comme je vais à la piscine régulièrement, c'est un shampoing que je pourrais mettre dans mon sac. Pourquoi pas? Ouais, il sent bon. Il est pas mal. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, découvrez en exclusivité le tout nouveau soin lavant capillaire au thé matcha de Masato. Shampoing très doux à base de thé vert matcha, cultivé au Japon, selon un processus ancestral, patati patata. Pour une, donc, le top pour une chevelure renforcée, brillante et toute douce, qui accueille le printemps à bras ouverts. Donc, l'application comme tout shampoing, hein, sur cheveux humides, une noisette, massez votre tête doucement pour faire mousser et rincer. C'est un shampoing. Ah, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire. On passe au suivant. Allez, c'est parti. Deuxième produit. Ah, j'en ai un peu marre qu'on nous mette des produits solides. Et là, tadam, produit solide. Bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un nettoyant visage solide à l'argile verte. Miracle des minéraux de la marque Savon Story. Valeur 12€. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Donc, un nettoyant visage pour une peau canon. Pas de magie, juste le miracle naturel de l'argile volcanique verte qui vient nettoyer en profondeur et de l'huile de figue de Barbarie revitalisante. Le tout transformé en un nettoyant bio à froid pour une peau purifiée, lisse et hydratée. C'est garanti, pas de sensation de sécheresse. Alors, vous connaissez mon amour pour les produits solides, je ne suis pas fan. Alors par contre, le packaging est très très joli, regardez. Regardez, on a un petit volcan là, comme ça, en relief. C'est très très joli. Je vous laisse regarder 2 secondes. Hop. C'est très très sympa. Hein, le packaging est vraiment superbe. Voilà. Bon, ouais. On l'ouvre. Est-ce que je l'ouvre? Ouais, pour voir. Ça reste un produit solide. Bon.
Alors, tous les produits, comme d'habitude, que je n'utiliserai pas, vous allez les retrouver sur mon Vinted que je vous note quelque part. Ou en barre d'infos, au choix. Ok, bon, je suis encore malade, c'est un peu agaçant. Vous devez l'entendre à ma voix peut-être. Je continue avec ce produit. Alors, ça c'est quoi? Il est à moitié vide ou comment? C'est de la marque Sanoléo. C'est une marque qu'on avait déjà reçue, je ne sais plus pourquoi. C'est un lait corps soyeux à la spiruline et à l'amande douce. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, on ne le voit pas très très bien. Hein, c'est un peu en transparence. Ah, on ne le voit pas très très bien. Quand j'ouvre, ouais, ça sent, mais il n'est pas plein plein, vous voyez ou pas? J'ai l'impression qu'il n'est pas plein plein. Ok, qu'est-ce qu'ils disent? Valeur. Valeur, quand je vois la valeur, je me dis, est-ce que c'est possible? Valeur du produit, 24,90€. Ils auraient pu nous le remplir à ce prix-là. Lait soyeux, amande, spiruline, actif végétal, actif marin. Ça a une contenance de 100 ml. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent? On découvre en exclusivité encore le tout nouveau, nanana. Votre peau profite d'un soin corporel complet qui renforce et répare sa barrière cutanée. Avec sa texture galénique gélifiée qui pénètre instantanément dans l'épiderme, ce lait corporel laisse un voile soyeux et nourrissant pour un maximum de confort en un clin d'œil. Bon. J'ai plein de lait encore pour le corps, donc ça c'est pareil, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je continue avec... Ah, que c'est joli! Vous avez bien vu, hein, on est dans le thème vert. Tout est vert. Ça, c'est vert, ça, c'est vert à l'intérieur. Et là, le shampoing est vert. Tout est vert. Même moi. Et là, on a un petit vernis. Regardez comme c'est beau. Regardez. C'est trop joli, la couleur pour le printemps. Trop beau. La marque, c'est quoi? Donc, vernis à ongles. Vert amande. C'est original avec un J. Care and Color. Valeur du produit 15€ quand même. Ah ouais. Vernis à, alors c'est un vernis à ongles soin, c'est pour ça. Deux en un. C'est pour ça qu'il est à ce prix-là peut-être. Donc votre vernis allie soin, application facile et séchage rapide pour une manucure qui chouchoute vos ongles et sublime vos mains en deux temps. En deux temps, trois mouvements. J'ai du mal. Hein. Ok. Alors, c'est ce qu'on va faire. Eh bien, je vais l'essayer en direct. Comme j'ai pas de vernis sur mes ongles. Ouh, regardez. Hop, alors. C'est... Waouh, c'est hyper long l'applicateur. Vous voyez les poils? Bon, après, j'ai pas intérêt à en mettre sur les autres produits. Ouais, c'est plutôt... C'est plutôt joli, hein, regardez. Hop, je referme. Regardez, c'est un petit vert amande. C'est pas mal. Ouais, celui-ci, il est sympa. De toute façon, je le garde. Donc, c'est pour ça que je l'ai essayé. Je suis fan de vernis. Alors, ils disent séchage rapide. On va voir si c'est réellement rapide. Ok, bon, bah ça, je suis contente. C'est bien. Je continue avec un autre produit. C'est ça. Hop. C'est une crème main et ongles à l'amande douce de Provence de la marque Coslis. C'est bio, bon. Cosmo organique, réparatrice donc, pour les peaux sèches. Alors ça, je suis fan de crème, moi et ma fille, parce que c'est elle qui est en train de filmer. On est fan de crème pour les mains, limite on les collectionne. Donc je pense que ça... Ça va être utilisé, c'est clair. Valeur de ce produit, 6,35€. Ok. Bon, ça reste une crème. En plus, c'est pour les mains et les ongles. Donc, c'est plutôt pas mal. Bah tiens, on va l'essayer direct. Hop, puisqu'on va de toute façon... Alors, ça sort en petit, vous voyez. En tout petit. Dans le tube, en tout petit.
Je vais vous dire si elle pénètre bien et si ça sent bon, même si j'ai du mal à sentir en ce moment. Ouais, c'est pas mal. Ça pénètre bien. Ouais, ça pénètre plutôt pas mal. Oh, mes ongles, mince. J'avais oublié que j'avais mis. Mais apparemment, ça a séché. Ah, c'est pas une blague. Ça a séché. C'est top. Bon, j'en ai un peu abîmé, je crois. Bon. Ok, la crème pénètre très bien. Donc, j'approuve. J'adhère, c'est très bien. On continue avec un autre. Oh, et puis, c'est pas des moindres, vous allez voir. C'est pas souvent qu'on a ce genre de produit. C'est une petite boîte. Regardez. Et je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il y a dedans. Un bijou. Là, je suis trop contente. Regardez. Oh, c'est marrant, tout est vert. Hein. C'est vraiment, on est dans le vert vert. Waouh! Regardez comment il se présente. Ah, j'adore le vert en plus. Bah, après, il faut aimer le vert, hein, mais moi j'adore. C'est une petite bague dorée, ajustable. Je vais la mettre. Ajustable, donc il faut resserrer. Regardez, je vous montre. Elle est super jolie. Elle est magnifique. Ouais, celle-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah ouais, là, franchement, c'est un super cadeau. Je suis très contente. Donc, bague dorée ajustable ornée de cristaux couleur émeraude et diamant. Je vous rassure, ce n'est pas un émeraude. Ce n'est pas un diamant, sinon ce ne serait pas là. Valeur du produit, 18,50 €. La marque, c'est la marque, leur marque, Beautiful Box. Et bien là, je suis super contente. Est-ce qu'ils nous disent, est-ce qu'on peut la mettre dans l'eau? Bon, je pense qu'il va falloir quand même la retirer quand on prend notre douche ou quoi. Eh bien, c'est super, voilà. C'est le dernier produit, mais vu que c'est ma 18e box, j'ai le droit à un petit cadeau, je vais vous dire après. Donc, ils estiment la valeur de la box à 95 €. Hop, regardez. Voilà. Et pour le mois d'avril, il nous spoil un produit, c'est une crème déodorante. Oui, une crème exclusive. Une crème déodorante. Le trompe-l'œil. Regardez. Là. Bon, on va voir ce que ça donne. Ok, et donc, comme je vous disais, le petit cadeau de la 18e box, le voici, c'est pas des moindres. C'est ça. Il y a un truc dedans. Vous voyez, on reste en plus dans le thème vert. C'est ça qui est marrant. J'ouvre et donc, regardez ce qu'on a dedans. Des pinceaux. Des petits pinceaux, c'est génial. En plus, dans sa petite trousse, c'est super pratique. Donc, on a. Les poils sont un peu. Ils ont été un peu agressés, on va dire. Je sais pas, mais. Donc, ça. Alors, ça, je crois que c'est pour le blush. Ou la poudre. Ou la poudre. Voilà. Ma fille est derrière pour le dire. C'est pas le genre de pinceau que je vais utiliser. Donc, il a un problème. Hein. Ok. Ça, je vais plus l'utiliser. Pour mon highlighter, j'aime bien utiliser ce genre de pinceau. Ça, j'aime bien. Donc, ça, je suis contente. Ils sont siglés Beautiful Box. Ensuite, on a ça. Ah, ils sont pas droits. Hein. Oui, mon chat. Donc, ça, c'est pour le fard à paupières. Et ça va être plutôt pour, je dirais, le L'aligner. l'eyeliner. Ouais, parce qu'il est assez, vous voyez. Donc, ouais, mais j'utilise pas ça. C'est pas le genre de truc que je vais utiliser. Je vais peut-être l'utiliser pour le fard à paupières, vous savez, quand je veux juste un trait ou voilà, pour mieux dessiner. Voilà, donc petit cadeau de la 18e box. Je suis plutôt contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je ne sais pas si vous êtes abonné, si vous en êtes déjà à votre 18e ou pas. En tout cas, voilà ce qui vous attend. Que vous dire de plus? Donc, je vais vous poser tout ça là. Et comme ça, vous allez regarder exactement tout ce qu'il y a dans cette petite boîte. Tout est vert, hein, vous avez vu? Hop, j'ai même plus envie d'enlever ma petite bague qui est trop mimi. Franchement, elle est trop, trop belle, cette bague. Je suis hyper contente. Hop. Et voilà. Et
voilà, voilà, tout ce qu'on a reçu, c'est plutôt pas mal. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À mettre un pouce si vous avez envie, ça fait toujours plaisir. À vous abonner également, ça fait plaisir. Et en plus, comme annoncé sur les vidéos précédentes, je vais faire un concours dès que j'ai 300 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis en tout cas à très vite. Et sur ce,